Alors, vous êtes donc camping-cariste. Oui, ça fait 13 ans que j'en fais. D'accord, vous partez tout seul. Et je suis tout seul. Ah, vous êtes camping-cariste tout seul. Tout seul, oui. Très bien. On voit beaucoup de camping-caristes en couple. Oui, mais ça fait 13 ans que je vis tout seul parce que malheureusement ma femme est décédée et tout ça. Et quand je me suis retrouvé en retraite, on avait dit on achèterait un camping-car et donc on voyagera. Et j'ai continué ma route comme si ma femme était là. Et voilà, ça fait 14 ans que je suis là. Et ça se passe comment le camping-car tout seul alors ? On parle que quelqu'un qui est en couple, hein. C'est la même chose. Hein. Enfin, j'ai les mêmes distractions, le tout. Je suis plus libre parce que je fais ce que je veux. D'habitude, je prends mon vélo. Là, j'ai pas amené le vélo, mais d'habitude, je fais beaucoup de vélo, de la randonnée à pied, tout ça. Puis voilà. Est-ce que vous rencontrez d'autres gens quand vous êtes à l'étape? Et puis on rencontre davantage de monde. Enfin, je ne sais pas si c'est parce que je les attire, mais j'ai la chance. C'est vrai que souvent j'ai des gens, et ils viennent vers moi, mais vous êtes tout seul. Ou alors venez prendre l'apéritif avec moi, alors que c'est sympa et tout. C'est vrai qu'on a une ambiance de camping-car qui est sympa. Je trouve que ça en a perdu depuis 13 ans que j'en fais, mais ça encore existe. Mais par contre, c'est vrai qu'au tout début, c'était mieux encore qu'aujourd'hui. Mais enfin, on est plus nombreux, c'est vrai que les places sont plus restreintes. Du coup, vous ne vous sentez pas seul quand vous voyagez en camping-car? Non. C'est pas un exercice de solitude Non, c'est pas un exercice de solitude. Par contre, de temps en temps, je pars avec des amis qui ont un camping-car aussi. On part à du camping-car. Mais j'aime bien y être tout seul aussi à voyager. Parce qu'à chaque fois, c'est moi qui est tout seul, c'est moi qui est le guide alors. Et oui, c'est ça, vous manquez de copilote peut-être. Vous avez une caméra de recul, un GPS pour, mais c'est moi qui est tout seul et c'est moi qui est toujours le guide. Alors, j'ai emmené des gens, je fais pas beaucoup l'étranger, mais j'étais au Portugal et je voulais y aller. Donc j'ai emmené quelqu'un avec moi, mais je pilotais tout le temps, c'est moi qui tout le temps qui a fait la route. Est-ce que vous pensez que vous avez une pratique du camping-car qui est différente de gens qui sont en couple? Oh non, c'est la même pratique. Hein. Enfin, faut y être vraiment cool, solidaire, et je dis vraiment avec l'ambiance du camping. Hein. Autrement, c'est pas la peine. Moi, je dis, si on n'a pas l'ambiance du camping, faut pas acheter de camping-car. Il faut pas y être. Je pense qu'on est en train de faire marche arrière avec tout ce qui arrive. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a moins l'ambiance du... Moins d'ambiance, oui, c'est vrai. D'accord. Quelles sont vos destinations de prédilection? Voyagez plutôt en France? Les trois quarts d'heure en France. Je vous dis, j'ai fait juste Portugal une fois, mais par contre, j'y retournerai. Mais par contre, j'aime bien la France. Et c'est vrai que je voyage, par contre, tout seul, justement, en France. J'aime bien la France et il y a beaucoup de coins en France. Et j'ai pas tout visité. Hein. Et pourtant, je pars assez souvent. Pas tellement l'hiver, hein. Comme là, les sports d'hiver, tout ça, je ne les fais pas. Mais par contre, l'été, je voyage beaucoup. À part, j'évite quand même de mi-juillet ou mi-août. Parce que c'est là les plus grandes, qui a plus de concentration et tout ça. Et j'évite là. Donc, je vais repartir vers le fin août, si on veut, jusqu'à fin septembre, un truc comme ça.